10 000! Vous êtes 10 000, un grand merci et je vous prépare une surprise, c'est parti! Bonjour à tous, un grand merci, c'est un truc de fou, vous êtes plus de 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors ça fait quelques années qu'on a créé la chaîne, mais ça fait réellement qu'environ 6 mois qu'on pousse, qu'on a mobilisé une équipe, que derrière la caméra, il y a toute une équipe qui vous crée de la valeur gratuitement sur cette chaîne YouTube. Vous êtes à l'heure où je tourne cette vidéo, plus de 10 000, ça nous fait extrêmement plaisir. On l'a fait pour rassembler le plus large possible, la plus belle et la plus grande communauté immobilière. On va continuer à travailler encore plus fort parce que ça nous motive. Pour passer à 20 000, 30 000 et 100 000, l'objectif c'est 100 000 le plus rapidement possible. Merci pour les 10 000 précurseurs qui nous accordent quotidiennement de leur confiance. Et pour cette vidéo de remerciement sur les 10 000, je voulais vous faire et vous préparer une surprise. Et je vous demande d'accueillir pour cette surprise et des 10 000... Manuel Ravier. Merci Mickaël, merci à tous. Alors je suis très heureux moi aujourd'hui d'arriver sur la chaîne YouTube. C'est vrai que je suis l'aventure, on travaille d'arrache-pied avec Mickaël et je le félicite parce que c'est lui qui a commencé cette chaîne il y a un peu plus de 10 mois et qu'on a vraiment accéléré il y a 6 mois et c'est un travail quotidien, c'est énormément de boulot de la part de l'équipe mais aussi de la part de Mickaël. Et donc moi je voulais aujourd'hui arriver sur la chaîne déjà pour apporter ma vision, pour apporter une vision, je vais me présenter un petit peu plus en détail juste après, mais une vision parfois un petit peu différente, même si beaucoup de choses évidemment sont communes dans ce qu'on partage, puisqu'on a partagé des investissements et qu'on a créé ensemble cette société magnifique de 50 collaborateurs aujourd'hui. Donc déjà, bravo Mickaël, parce que 10 000 abonnés, c'est toi. Bravo ensemble. Et bravo à toute l'équipe qui est derrière. Et moi aujourd'hui, j'arrive pour vous apporter aussi du contenu, le soulager sur la production de vidéos un petit peu, puisque je vais en faire aussi désormais sur la chaîne, et pour apporter ma vision. Alors moi, pour me présenter, je m'appelle Manuel Ravier déjà. J'ai créé cette entreprise géniale où on s'éclate tous les jours et où on délivre de la valeur à nos clients, qui s'appelle Investissement Locatif. On a commencé, on était deux. On était sur un petit bureau d'une école de commerce, un bureau qui nous avait été prêté par l'EDEC Business School. On était incubé par l'EDEC. Et aujourd'hui, on a trois bureaux juste à Paris, plus d'autres bureaux ailleurs en France, vous le savez. Vous nous suivez sur les réseaux. Donc moi, je voulais juste vous parler un peu de mon background. Donc j'ai effectivement investi à peu près comme Mickaël, puisqu'on a fait beaucoup d'investissements ensemble et qu'on continue à en faire. J'ai investi dans plusieurs millions d'euros d'immobilier qui me génèrent aussi énormément d'argent et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça parce que j'ai découvert un moyen d'enrichissement incroyable, un moyen passif. Chaque jour, les loyers rentrent sur les comptes et je pense que ceux qui sont derrière la caméra et qui ont déjà investi, vous avez exactement la même chose. Sur mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait comme étude, parce que c'est quand même important dans le contenu que je vais vous délivrer par la suite. Alors moi, je suis diplômé en droit de l'immobilier, en droit des affaires avec une prédominance en fiscalité, puisque j'ai une maîtrise en droit des affaires obtenue dans une fac parisienne. Et ensuite, je suis parti en finance. Mais ma vraie expertise, c'est vraiment plus la fiscalité immobilière et le droit immobilier. Donc aujourd'hui, sur la chaîne, je vais parler de ça. Je vais essayer de vous délivrer de la valeur là-dessus. On me l'a énormément demandé et encore hier soir lors d'une conférence en ligne qui était incroyable et qui a réuni plus de 300 investisseurs. On sait que c'est pas forcément toujours facile et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et on m'a dit, Manuel, s'il vous plaît, dans les questions à la fin, parlez-nous un peu plus en détail des régimes fiscaux pour les loyers, parlez-nous du LMNP réel, parlez-nous du LMP, parlez-nous de la déclaration, comment ça se passe en fin d'année pour bien imputer toutes les charges. Et donc tout ça, on va le faire sur la chaîne YouTube et je vais m'en occuper et je serai très heureux de le faire. Manuel, vous le verrez dans les prochaines vidéos, c'est le technicien, c'est le fiscaliste, c'est le financement, c'est quelqu'un qui a une vision et c'est pour ça que je suis très fier qu'on soit associé. C'est ce qui fait qu'on a réussi aussi à accompagner autant d'investisseurs. C'est aussi pour ça qu'on a réussi à avoir autant de patrimoine immobilier à titre personnel. C'est le technicien en termes de veille, en termes de fiscalité. Il va vraiment pouvoir vous délivrer des conseils extrêmement pointus pour que vous puissiez aussi jouer avec tous ces leviers, jouer avec la fiscalité, jouer avec le financement. C'est ce qui permet aussi d'accélérer beaucoup plus fortement. Et donc, il va vraiment pouvoir vous donner de la valeur de façon plus précise et plus approfondie sur vraiment tous ces sujets qui sont complexes, qui sont difficiles à démocratiser. Et c'est aussi l'enjeu qu'on s'est fait ensemble, c'est d'arriver à les rendre accessibles au plus grand nombre.
et des sujets qui changent tout, puisque entre deux investisseurs, entre deux régimes fiscaux, on a dans les deux cas par exemple 10 000 euros de loyer par an sur un bien, mais celui qui n'est pas fiscalisé, bah, c'est 10 000 euros moins les intérêts bancaires, moins les charges. Bon, il y a des forces de frottement bien entendu, mais il va rester énormément d'argent, peut-être 8 500 euros à la fin de l'année pour rembourser votre crédit et vous enrichir. Celui qui malheureusement va choisir le mauvais régime fiscal, à l'inverse, il va avoir les mêmes 10 000 euros, mais il va donner énormément à l'État, et donc bah, c'est beaucoup d'argent qui va disparaître finalement et qui ne servira pas à la création de son patrimoine, au remboursement de la dette. Et dernière chose, sur la chaîne, on a envie aujourd'hui, nous, de passer un nouveau cap. On est souvent en déplacement. Michael est souvent à Lyon, à Marseille, dans les bureaux parisiens. Et moi, à l'inverse, on se sépare beaucoup les rôles. Je suis aussi souvent en déplacement. On a des équipes locales qui sont juste incroyables. Et c'était aussi la volonté pour moi d'arriver et de pouvoir dire, bah, je suis en déplacement à Marseille avec les équipes locales, je suis en déplacement à Lyon avec les équipes locales, etc. De pouvoir vous faire des vidéos, ouais, que vous puissiez me connaître aussi et de pouvoir vous délivrer de la valeur avec les équipes sur le terrain. Et dernière chose, on veut arriver, et ça va arriver très bientôt sur la chaîne, j'en ai déjà tourné, aller à la rencontre à la fois des clients qui ont eu des success stories, de faire des cas d'études. Là, on a commencé à faire des vidéos avec des clients et j'en tourne encore dans les prochains jours, et également avec des gens qui ont un impact sur le marché immobilier aujourd'hui, des spécialistes. On en a fait également des vidéos de ce type, des spécialistes qui peuvent être formateurs, qui ont des méthodes. Alors, il y a à boire et à manger, bien entendu, sur Internet. On ne fera pas des vidéos avec des gens auxquels on ne croit pas. Mais justement, c'est aussi pour nous l'occasion de vous présenter des gens qui comptent dans le monde immobilier, des gens qui sont sérieux, et de vous ouvrir notre réseau personnel. Ouais, on va vous montrer la vraie vie des investisseurs immobiliers qui sont comme nous, hein, monsieur et madame tout le monde, mais qui ont décidé à un moment de leur vie de changer leur existence grâce à l'immobilier. On va aller à leur rencontre, ceux et celles qui sont clients à un moment donné de notre société, leur demander leur pourquoi, ce qu'ils ont dans les tripes, pourquoi ils ont voulu passer à l'action, quels en sont les bénéfices, mais bien entendu pas uniquement en termes financiers, quels en sont les bénéfices et leur impact sur leur vie personnelle de l'immobilier. Vous connaissez peut-être mon histoire, j'ai la chance d'être d'une famille issue de l'immigration avec un grand-père qui est arrivé à 17 ans en France sans argent, et me retrouver moi aujourd'hui à la tête de ce patrimoine immobilier, c'était quelque chose, je pense, si on lui avait dit, lui, le jour où il a posé le premier pied en France, qu'un de ses petits-enfants et ses petits-enfants pourraient construire un empire immobilier, je pense qu'il aurait été, il n'y aurait pas cru déjà. Et c'est quelque chose de formidable, et on va rencontrer ces gens aussi qui ont décidé de changer leur destinée grâce à l'immobilier. Et c'est souvent le cas, hein. Moi j'ai aussi une histoire que je vous partagerai peut-être dans une autre vidéo, ça pourrait être intéressant. J'ai aussi une histoire qui m'a poussé tout simplement vers l'entrepreneuriat. Souvent on se rend compte que quand on n'a pas forcément la motivation, quand on n'a pas de pourquoi, on n'a aucune raison, et ce n'est pas un reproche, hein, bien entendu, chacun doit faire en fonction de ses besoins et de ses souhaits dans la vie. Mais quand on n'a pas le pourquoi qui nous anime, on n'a pas forcément la volonté, et donc on ne va pas se dépasser et on ne va pas forcément aller à la recherche de l'investissement immobilier. Donc vous qui nous regardez derrière l'écran, je pense que vous avez aussi votre pourquoi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est ce qui fait la richesse des échanges qu'on a quotidiennement avec les investisseurs immobiliers. Ouais. Vous êtes plus de 10 000, un grand merci. On vous fait le pari aujourd'hui, si vous voulez être avec nous et nous aider dans ce pari, de propulser cette chaîne vers les 100 000 sur 12 mois. C'est le pari qu'on s'est fait. On adore se donner des défis et des challenges parce que c'est ça qui fait qu'on avance. Merci aux 10 000 précurseurs. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne si vous voulez que 90 000 autres personnes changent leur destinée aussi grâce à l'immobilier. À bientôt sur la chaîne, et encore une fois, je me joins à Michael pour vous féliciter d'être déjà des précurseurs et pour vous remercier. Et je vous dis à très bientôt. Et Michael, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. À bientôt.